Et salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de The Evil Within 2 sur PC. Donc j'ai fait certaines choses hors vidéo. Donc j'ai farmé un peu, enfin je sais pas j'ai farmé mais j'ai fait la... J'ai exploré toute la zone sauf l'endroit où on doit aller au niveau de la caisse principale là. Là je peux pas trop vous montrer, je vous montrerai juste après. Donc il y a eu quelques petites scènes que vous avez loupées, des scènes pas très très utiles, mais qui faisaient bien flipper, dont... Et on a découvert un nouvel ennemi qui, lui, va me faire cauchemarder, je le sens. Et donc, hop, tout. Donc, le signal rebelle, je l'ai fait. Donc, c'était une nouvelle victime encore, comme pour le mec qui arrêtait le temps, là. Et j'ai réussi à récupérer aussi deux diapos. Donc, on va les regarder, voir ce que ça donne. Alors, donc, deuxième diapo. Kidman. Qu'est-ce que je peux faire, Sébastien? Beacon. Ma vie commençait à déraper avant que j'entre dans cet endroit. Être dans la tête de Ruvik comme ça. Depuis, je ne suis plus le même. Ils ont essayé de me dire que c'était seulement dans ma tête. Mais mon esprit n'aurait jamais pu rêver les choses que j'ai vues là-dedans. Pas besoin de me le rappeler. J'étais là moi aussi. Ouais. Ça ne posait aucun problème à vos amis de chez Mobius de vous mettre en danger, hein? Si je n'avais pas été avec vous, on s'en serait peut-être pas sorti. Parfois, je me demande si nous nous en sommes vraiment sortis. Et maintenant, je suis dans un autre système. Et je suis toujours avec vous. On va s'en sortir. Comme la dernière fois. J'espère que vous avez raison. Toujours debout, Kidman? Pas de repos pour les braves. Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive pas à croire que Lily soit vivante. L'incendie. Lily n'est pas morte dans l'incendie. Vous le savez maintenant. Dites ça à mon cerveau. Dites ça au cauchemar que je fais depuis des années. Pourquoi l'ont-ils emmenée? De toutes les petites filles du monde, pourquoi la mienne? Je n'ai pas de réponse à ça, Sébastien. Mobius a enlevé Lily bien avant que je les rejoigne. Je sais que vous ne croyez pas aux coïncidences. Mais peut-être que vous voyez un complot parce que vous le voulez. Vous savez, certains crimes arrivent comme ça, sans raison valable. Juste une personne qui était au mauvais endroit, au mauvais moment. Non. Je refuse de croire ça. Quoi qu'il en soit, l'incendie est un souvenir que vous devez oublier, Sébastien. Ce n'était pas votre faute. Et vous n'avez pas perdu Lily à cause de ça. Ne l'oubliez pas. Ok. On se lève. Donc j'ai beaucoup de points aussi à dépenser. Et certaines clés. On va faire ça. Ah oui. Aussi j'ai trouvé... Oh, merci. Merci le chat. Oui, j'ai un paquet de points. Le chat nous donne nos 4... De gel à chaque fois qu'on a un diapo. Donc, voilà, ça c'est le Robodog de Wolfenstein. Donc, on a deux historiques vraiment. Je sais pas, il y en a combien en tout. Moi, il est tout mignon le chat. Je pense que ce chat c'est Tatiana. Pratiquement sûr. Oui, j'ai aussi une nouvelle arme que je n'ai pas encore pu utiliser, car je peux la garder pour plus tard. Celle-ci, fusil d'assaut. Enfin, le fusil de précision. Attends. Comment puis-je vous aider, inspecteur? Comment voulez-vous que j'aie les... On continue. J'ai déjà ce qu'il faut. J'ai déjà ce qu'il faut. J'ai déjà ce qu'il faut. Attends, j'en ai. Les autres vont rester là pendant un petit moment. Hop, on va améliorer ce qu'il y a là. Je sais pas. Je crois que ça peut être ça. Hop.
Et voilà. Full furtif comme ça. Et maintenant, on va sortir. Voilà. Il y a aussi une spécialité que j'ai vue du jeu. Justement, il y a un poste là, je sais. C'est une zone qui s'appelle la moelle. J'en ai déjà exploré une, c'est une zone close, bien sûr, vous allez voir ce que ça donne. Celle-là, j'y suis jamais rentré, hein, donc chaque fois qu'il y a un poste comme ça, on peut rentrer. Ah, bah d'accord, il est verrouillé. Par un mot de passe. Bah, on verra plus tard, Donc on va voir la carte. Vous voyez, j'ai tout exploré, ce qui est possible, ce qui est trop en bas, je peux pas. Ce qui est tout à droite, je peux pas. Je crois que j'ai tué tous les ennemis de la zone. Et on va aller là où il y a la résonance. Allez, c'est parti. Si je ne m'abuse, c'est tout au fond là-bas. C'est quelle arme ça, ouais, c'est... Ça c'est un nouveau pistolet, j'ai trouvé un pistolet laser. Ah oui, flûte, j'avais oublié que j'avais un autre passage à faire. Bon, je le ferai plus tard, avec. Il y a aussi un ennemi vraiment bon. Vous verrez. Là, j'ai utilisé une hache, il me reste fort, on va prendre une note. Et allez où la hache? Allez où la hache? La hache, la hache. Pas loin de là, je sais. Ouf. Où es-tu? Oh, si elle est pas là, attends. Si elle est pas là, attends. Je suis pas fou, mais j'en ai vu une. Hein. Ici, voilà. On va pouvoir se diriger là où se trouve peut-être Lily. Ouais, où se trouve le signal. Petite fille qui pleure. Est-ce que c'est notre Lily? Ou est-ce que c'est autre chose? Voilà, attends. Le tour de la zone avant. Pas envie d'être surpris par quelconque zombie. On a aussi, j'ai réussi à sauver quelqu'un de vivant aussi. J'entends par là, c'était que il y en a qui se faisait courser et j'ai réussi à la sauver. Le truc, c'est qu'elle avait pas de souvenir. Oh, pas très utile. Là. Qu'est-ce que c'est? Pas de statue de vierge là pour les clés. Malin. Bon. Allons-y. Lily?
Tu es là? C'est papa! Où est-il passé? Un bruit. Lily, tout va bien. C'est moi. Mon fils. Bon sang. Allez, calme-toi. Comment est-ce que je peux entrer là-dedans? La poupée de Lily. Elle était là. Ouais. Je dis à son ami, juste en face. Ah non, putain, c'est elle. Bon bah, soyez prêts à voir l'un des ennemis stylés du jeu. Je crois que c'est. J'avais vu trop sans pain. Tiens. Non, c'était pas elle. Je pensais que c'était elle parce qu'il est clignoté, mais non, pas du tout. Où tu es? Là. Ah, c'est joué. Mais vas-y, c'est quoi ces mecs là? Ils sont craqués. Où est-ce que je reprends? Bien sûr, job.
On donne du jeu. Hop là, ok. Oh, elle dit où tu es. Crafter des munitions. Pas de soucis. Est-ce que dans le vide, pas si. Non, on est pas mal. Où est-ce qu'elle? D'accord. Bon, ça va. On va d'abord sauvegarder. Je sais pas, il y aura combien de zones. J'arrive, ma chérie. Bye bye, maison bien sûr. Essayer. D'accord. J'ai toute la ville. Voilà ou pas. Ouais. Ah. Allez, bouge la caméra. Oh, Dieu merci. On va trouver quelque part, je sais pas où. On dirait qu'elle s'est cachée ici. Des traces de pas. Mais de qui? Elle est sûrement dans cet entrepôt. Petite maligne. Ah bah du coup, ouais. Je parie que cet endroit déborde de cachettes. Du coup, je comprends très bien. C'était cet endroit que je voulais faire. Putain. Il y avait une plaque blanche qui était bloquante. Donc j'ai déjà fait l'énigme. En fait, la porte qui est devant, là, est fermée. En fait, elle est un peu juste là derrière, en suivant le câble. Là. Et il y aura un interrupteur pour ouvrir. Lily. Lily. Et donc là, je suis sûr qu'on va voir le perso qui me fait chier. Lily, ça venait d'en haut. Ah bah oui. C'était obligatoirement action. Elle a dû se faufiler là-dedans. Il va falloir que j'y aille. Mmh.
Elle est pleine de ressources, cette petite. Elle va s'en sortir. Je dois simplement la trouver. Et je vais ouvrir la porte. Hop. Une caméra. Ah non putain, j'ai cru que c'était une caméra. Il y a encore un mec avec une caméra. Hein. Ah ouais, d'accord. Essayer d'aller là-bas, ça ne marche pas parce que c'est bloqué. Faudrait que je prenne ça en rendez-vous. À moins que. Ah. Peut-être pas. Ouais non. Attendez. Je sais jamais par où passer. Voilà, comme il dit que ça devait être en haut, on va en bas. Trompette flingue. Tant pis. Tout aussi. Oh, je sais pas. Et lui. Il va se téléporter dans plein de ta gueule. Ah. Eh ouais, je remontais. C'est lui, le tueur aux photos. Et cet enfoiré à ma petite fille. Putain, j'y étais presque. Bordel de merde. Du calme. Réfléchis. Il faut que je la sauve. Mon communicateur ne capte plus rien. Il faut que je trouve un autre moyen. O'Neill, je sais pas si je peux lui faire confiance, mais il veut partir d'ici autant que je veux retrouver Lily. O'Neill, c'est Sébastien. Vous m'entendez ? Sébastien ? Fais chier, pas maintenant. Je capterai peut-être mieux dehors. Ouais, le temps d'aller dehors. Allez, c'est parti. On l'a toujours pas vu, hein. Je te fais attendre, hein, la petite. Ah ah.
Voilà. Chantelle. Arrête, je peux pas. On s'en musée des horreurs. Qui est cette personne? Tiens, le pire dernier a disparu. Qui est-il? Randalfig. Très bien. Pas les couilles. Te voilà. Mais où est Lily? Je peux pas le laisser s'échapper à nouveau. Hey! Toi! La fille! Où est-elle? Oula! Encore eux. Trois d'entre eux. Eh oui, il est déjà mort. Fais chier, je l'ai encore perdu. J'espère que je pourrai avoir O'Neill cette fois. O'Neill, c'est Sébastien. Vous êtes encore en vie? Je veux dire, vous êtes toujours en vie. Super. Vous avez pu localiser le noyau? Non, mais je sais qui la tient prisonnière. Il a des pouvoirs comme personne ici. Mais je l'ai perdu. Attendez, je pense pouvoir vous aider. J'ai repéré une fréquence que j'avais encore jamais vue. Elle provient de l'hôtel de ville. Génial. Où est-ce que c'est? Regardez en l'air. Vous voyez ce bâtiment avec une grosse horloge? Ouais. C'est l'hôtel de ville. Et comment je suis censé aller là-haut, moi? En fait, c'est un peu complexe. Revenez ici et je vous expliquerai. Bien. J'arrive. Oh non. Ils ont ri pas. Non. Chut. Bon, on y retourne. On voit ce qu'il y avait là-haut au final. Et on y retourne.
qui me voit? Qui? Personne. Ok. Personne. Ok. Alors. Donc. Aucune fréquence. C'est une putain de witch. J'aurais dû utiliser ça dès le début en fait. Bon, on va tout craft. Tiens. J'ai pas vu ça. Sain et sauf. Pas sûr que sain soit le bon mot, mais ouais, je suis là. À présent, dites-moi comment atteindre l'hôtel de ville. Union a été bâtie avec des sortes de coulisses afin que les opérateurs de Mobius puissent observer tranquillement les sujets d'expérience. La plupart de ces passages sont encore suffisamment en état pour traverser les fissures d'Union. Mais la moitié de la ville flotte dans les airs. Comment est-ce que des tunnels pourraient y mener? Ce sont des passages, pas des tunnels. Quand vous y entrez ou en sortez, vous changez de phase en quelque sorte. On appelle ça la moelle. Elle existe dans une strate séparée de ce que vous voyez. Tout ça n'a aucun sens. Écoutez, peu importe que ça ait du sens ou non. Du moment que ça fonctionne. Par contre, c'est un vrai labyrinthe. Prenez la mauvaise voie et vous atterrirez de l'autre côté de la ville. Où est cette moelle qui est censée m'emmener jusqu'à l'hôtel de ville? Et qui a choisi ces noms ridicules, d'ailleurs? Je vais vous indiquer l'emplacement de son entrée. Elle est dans la planque nord. Ça ressemble à un ordinateur classique à première vue. Je vous donnerai le mot de passe pour l'activer. Une fois à l'intérieur, suivez l'autre marqueur vers la sortie B2. Ça devrait vous mener à l'hôtel de ville. Vous auriez pu me dire tout ça via le communicateur. Peut-être, oui. Mais j'aurais pas pu vous donner ça. Les passages sont toujours intacts, mais la destruction d'Union a entraîné des problèmes sur les infrastructures. Mon communicateur indique qu'une fuite de gaz bloque le chemin vers la sortie B2. Alors vous n'y arriverez jamais sans ça. Une fuite de gaz mortelle, hein? Merci d'avoir gardé la bonne nouvelle pour la fin, O'Neill. D'après mon expérience, c'est loin d'être le pire auquel vous devrez faire face. Vous ne m'aidez pas beaucoup. Vous voulez savoir autre chose avant de partir? Hop, masque de gaz. Chapitre 4, derrière la rue. À propos... Comment saviez-vous que le signal provenait du gars dont je parlais? Mon communicateur est devenu dingue quand vous avez essayé d'appeler. Quelque chose faisait des interférences, et elle provenait de l'entrepôt dans lequel vous êtes. Juste avant votre appel, le signal a disparu. Quand vous avez dit que ce gars était puissant et que vous l'aviez... Ça me semblait logique que ce soit lui la source de quel genre de pouvoir s'agit-il. Il a invoqué certaines de ces choses. Ensuite, il s'est tout simplement téléporté. Mais tout le monde à Union a subi des tests avant. C'est impossible qu'un tel psychopathe ait pu pas... Je suis ici, moi. J'ai pas subi de... Mais vous n'êtes pas un psychopathe, pas vrai? Pourquoi pensez-vous qu'il ait choisi de ça? Ça a certainement un rapport avec les méthodes. Bordel, c'est quoi? En fait, c'est une machine qui stabilise temporairement une... C'est loin d'être aussi puissant ou efficace qu'un noyau, donc on les utilise. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner. Ouais. Harrison et une équipe de sécurité sont partis l'installer. J'espère qu'ils vont bien. Vous devriez peut-être venir avec moi. Si je... Ah non, je ne mettrai pas un pied en dehors de cette planque. Et d'ailleurs, qui est cette Lily? Lily est ma fille.
Et c'est aussi le noyau. C'est... J'ai vraiment besoin de vous. Je vous aiderai d'ici quand ce sera possible. Ce n'est qu'une petite... Je sais, mais faire appel à mon côté humain n'est pas un bon moyen. Désolé. C'est... Ouais, j'avais remarqué. Ok. Alors, je viens de quitter l'île, le temps de... d'arriver là-bas, parce qu'il prend les bombes, etc. Et on se retrouve là-bas d'ici quelques minutes. Je reviens. Me revoici, désolé pour cette petite ellipse. J'ai... Je suis retourné juste là. J'ai tué quelques petits zombies. Les zombies faciles à voir. Je devrais peut-être aller... tenir Kidman au courant. Peut-être. Kidman, vous m'entendez ? 5 sur 5. Qu'est-ce que vous avez pour moi ? La bonne nouvelle, c'est que j'ai localisé O'Neill et qu'il a pu me mettre sur la piste de Lily. Bon travail. La mauvaise, c'est qu'Union tombe littéralement en pièces autour de moi et qu'elle est principalement habitée par des monstres et des cadavres. Ah, et le psychopathe que j'avais mentionné, celui avec les pouvoirs qu'il n'est pas censé avoir, eh bien, il a Lily. Je me prépare à entrer dans la moelle dont vous aviez oublié de me parler pour partir à sa poursuite. Désolé de pas avoir eu le temps de vous briefer avant de vous envoyer. Et nous ne pensions pas la situation si catastrophique. C'est aussi cauchemardesque qu'à Beacon, ici. Non, c'est pire. Ma fille n'était pas prisonnière à Beacon. Ok, calmez-vous. Je peux peut-être vous aider. Vous pouvez me donner des informations sur cette personne ? Un homme, environ 1m80, cheveux sombres. Il se prend pour une sorte d'artiste. Ouais, ça fait pas grand-chose. Dites-moi quelque chose que je ne sais pas déjà. Je me dirige vers l'hôtel de ville. Je vous rappellerai. Hop, allez, c'est parti. Hein ? What ? Quoi ? Elle était là avant cette porte ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, merde. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? L'occasion de tester vos talents ? Avancez et tentez votre chance, inspecteur. Ah, d'accord. C'est de la folie. Oui, ce serait de la folie de passer à côté. Visez juste et servez-vous de vos talents de tireur. Pas besoin de vous inquiéter pour les munitions. Intérêt. Oh, d'accord. On va faire un petit peu de ça. Yana. Hop. Oh, très difficile, je savais. On va tenter le normal. Et voilà. Normal, c'est bon. Ouais, pas mal. Next. Difficile. Ah.
Je vais se tromper. Loupé. Oula. Pas facile, ouais, hein. Pas mal. Je projette tout, là. Ouais, 4020. Et la dernière difficulté. Je suis à 4 000, c'est pas bien. Pas assez. Ça va, c'est faisable. Faisable. Coup, inspecteur. Votre. Allez, 4000, 4000, 4000. Je dois dire que c'est impressionnant. Non, j'ai eu pire que tout à l'heure. J'ai eu pire que tout à l'heure. Je sais pas comment je vais réussir. Je dois dire que c'est impressionnant. Je ne sais pas comment je vais réussir, mais on va l'avoir. Voilà, ne vous inquiétez pas. Parce que je dois être difficile après. Oh,
Ouh là là, putain. Attendez, là, je sais pas ce qu'il y a, mais... La souris est un peu lourd. Oui, allez, ce que je sais. Vous êtes vraiment le meilleur tireur, inspecteur. Et je me battrai sans répit. Ah ouais, quand même. Je suis peut-être un peu rouillé. C'est chaud, ça. Ça, c'est chaud. On va le faire aussi. J'attaque plus vite. Trompé. Doucement. Mais non, mais putain, je fais de la merde. C'est facile pourtant. Je tire dans les mauvais blocs. Putain, tout à fait. Il faut le 100 000.
trompette de cible. Je sais pas quand je... Ah merde, je mets mute, ah. Pas concentré. Ok. Je dois dire que c'est impressionnant, inspecteur. Encore. Je reviens, je vais juste faire essayer de le faire rapide. Faire rapide, je reviens. Ellipse. Me revoici. Oh là là. Ouf, c'était chaud, hein, mais j'ai réussi. Un cœur et gagnez vos défis. Bon, fait... Passons aux choses sérieuses. Comment retrouver ma fille? J'ai mal à ma main. Ça donne stop. J'ai mal. Alors. Amélioration d'armes. Il manque un peu. Alors, on va mettre le point d'aptitude. 41 000 de gel. Ouh là là, ça c'est ciblé. Comment puis-je vous aider, inspecteur? Ah non, mais j'aurais pas dû craft, j'aurais dû d'abord chercher ici. Je suis con. J'en ai besoin. Et ça, j'en ai besoin. Deux casiers. Hop, celui-là. 5000 gel en plus, trop bien. Et 3000 en plus, hop là. 1 million de compétences. Là, on a quoi. Mal à être trop prudent, mais vous ne pouvez pas éviter la confrontation pour toujours. Vous devriez peut-être opter pour plus de compétences de combat. Peut-être. Soixante-quinze mille. Hein? Ouais. Ah, c'est déjà le rouge. J'ai rien d'agilité. Putain, j'ai même pas remarqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'adresse? Le flux. Et voilà, on a amélioré un peu notre stuff. Ici, on peut retourner là. Alors, par contre, la vidéo est, je pense, assez longue. Du coup, on va s'arrêter là pour celle-ci. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si on trouve qu'il n'y a pas eu grand-chose d'ailleurs. Ah bah.
N'hésitez pas à checker, passez une bonne journée, une bonne soirée, vive les jeux vidéo.